to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Si Stéphane n'a pas été entièrement convaincu par Diama, du groupe Sunbeam of a Drive, pour ma part, j'ai été suffisamment enthousiasmé par leur travail pour en faire une chronique ici. Sunbeam of a Drive est un quatuor marseillais qui existe depuis 2019, si mes informations sont bonnes, et qui, avec Diama, sort sa première galette. Leur musique s'apparente à du rock alternatif à composantes métal et progressives, rejoignant par certains aspects Tool ou Clone. L'album Diama propose 11 morceaux, dont deux reprises, disons, dispensables au regard du reste. Le chant clair y prédomine sur un métal alternatif électro, ponctué parfois de growl. Si Diama ne révolutionne pas le genre, il possède un très bel équilibre entre puissance et émotion, plaçant du growl par endroits sans forcer la dose et usant d'accélération comme d'espace plus calme au bon moment. En plus, l'album propose plusieurs morceaux franchement accrocheurs comme Diama, Shen ou Diamond Shape. Diama ne comprend que deux cours instrumentaux, Ascending, qui ouvre l'album façon world music, et Jensen Bull's Eyes, qui lui donne dans le space rock psychédélique. Côté poutrage, Deaf and Blind ne ménage pas vos oreilles avec un djent growlé suivi d'un métal alternatif assez déconstruit. Diama brille tout particulièrement par une batterie hyper soignée et bien mise en avant par le mixage. Ce n'est pas souvent que j'écoute un album en suivant plus la section rythmique que les lignes vocales. Pourtant, le chant est très bien, comme dans Deaf and Blind, et les guitares brillent souvent, écoutez plutôt ces petites notes claires qui scintillent en chaîne. Mais ici, j'avoue, le travail de Laurent sur les caisses mérite vraiment que l'on s'y attarde. Il y a plein de titres que j'adore sur cet album, mais c'est peut-être Shen qui a ma préférence. Le gros son est mis entre parenthèses, privilégiant la forme alternative au métal, les guitares jouent de subtilité avec de belles figures djent et le chant est presque un accompagnement à la section rythmique. Diama est une très belle découverte. J'attends d'ailleurs le CD avec impatience, parce que Marseille-Strasbourg à dos d'escargot, c'est assez long. Et j'attends de voir avec impatience ce que ce jeune groupe pourrait devenir dans le futur. En attendant, allez l'écouter sur Bandcamp et plus si affinité, bien entendu. À lundi prochain, bisous.